Mercredi 15 juillet 2015, des agriculteurs ont de nouveau manifesté leur colère. Répondant à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, ils ont mené des actions coup de poing en divers endroits du Calvados, notamment devant le magasin Leclerc de Lisieux, au niveau du rond-point de l'Espérance. La circulation y a été fortement perturbée. Charles-Henri Lebrun, secrétaire général des jeunes agriculteurs du Calvados, nous explique les raisons de la colère. On est là aujourd'hui pour revendiquer un peu que soient appliqués les accords qui ont été passés il y a moins d'un mois devant le ministre de l'Agriculture, qui n'ont toujours pas été appliqués par les différents transformateurs. Donc aujourd'hui, on vient faire pression sur les transformateurs, mais aussi sur la grande distribution, afin qu'on puisse se réunir tous ensemble autour d'une table, discuter et appliquer ce qui a été décidé. Ils ont notamment déversé du purin devant le magasin Leclerc et sur sa station-service. On est en colère parce qu'aujourd'hui, nous on vend à perte tous ceux qui sont là. Tous les matins quand ils se lèvent, ils ont déjà perdu de l'argent. Donc ça a trop duré. Les soldes en France, c'est quelques mois dans l'année. Les soldes dans l'agriculture, c'est 12 mois dans l'année. Le transformateur laitier Lactalis, la SCA Normande ainsi que les magasins Lidl et Aldi ont aussi été la cible de la grogne paysanne. En 2009, on était sortis parce qu'il y avait déjà eu une crise laitière. Aujourd'hui, on ressort parce que cette crise, non seulement elle est laitière, mais elle est aussi dans la viande bovine, la viande porcine, la viande de poulet, elle est vraiment dans tous les secteurs de l'agriculture. Donc aujourd'hui on n'en peut plus.